vraiment, c'est un dinguerie, les gars. Le Barça a fait match nul contre Napoli. What the fuck? Moi, je trouve que le Barça aurait mérité mieux, il faut dire la vérité, en fait. Donc voilà, quand on a mis un Naples, ils ont même pas tiré. Ils ont pas tiré une seule fois. Le Barça a eu des occasions, mais il fallait tuer le match. C'est ça, en Ligue des Champions, quand tu as des occasions, en fait, il faut être réaliste, en fait. Donc voilà, quoi. Je trouve que le gardien de Naples et tout, il a fait des arrêts qu'il fallait, des a laissés dans le match. Et moi, je trouve, comme je l'ai dit, franchement, en première mi-temps, le Barça, il mérite de mener au score. Mais bon, il y avait 0-0. Et Lewandowski, j'ai l'impression que Lewandowski, il se réveille enfin. On commence à retrouver le vrai Lewandowski ces derniers temps. Il a en confiance, même dans ses prises de balles et tout. On sait que c'est. Voilà, il s'est amélioré, c'est un truc de dingue. Lamine Yamal, encore une fois, il fait des différences sur son côté. Même il frappait, donc voilà, quoi, il aurait pu marquer aussi. Mais comme je l'ai dit, je trouve que sur ce match, honnêtement, le Barça aurait dû faire mieux. Mais en deuxième mi-temps, voilà, ils sont endormis un peu, faut dire la vérité. Donc voilà, quoi, Naples, depuis qu'ils ont marqué le but, ils se sont réveillés aussi. C'est quoi ce match en fait? Donc tout reste à jouer. Et là, c'est dur. Parce que le Barça, là, c'est compliqué. J'ai l'impression. Tous les matchs, en fait, le Barça encaisse des buts, les gars. En défense, il va falloir régler ces problèmes-là. Parce qu'on sait qu'Osimhen. Donc voilà, il revient de la CAN, en plus il claque son but, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est pas facile de défendre sur lui. Araujo, moi je trouve qu'il a été bon dans ce match. Et Ter Stegen sur le but, franchement, il aurait pu faire mieux. Mais bon, Osimhen, il a fait semblant d'ouvrir, il ferme. C'est ça en fait. Et comme je l'ai dit, par contre là, en termes d'intensité, c'était pas trop ça, quoi. Moi je trouve qu'il peut faire mieux. Et Xavi, je comprends pas pourquoi il a mis Pedri sur le côté gauche. C'est pas un ailier, frère. Pedri, mets-le à son poste, les meilleurs. Au milieu de terrain, en plus, même s'il a fait une passe décisive, moi je trouve que Pedri à son poste, ça aurait été mieux. Donc voilà, faut mettre un ailier qui percute comme Yamal. T'as João Félix, même s'il revient de blessure et tout, donc Rafinha, faut lui faire confiance. C'est ça en fait. Christensen en 6 et tout, ah, c'est